Bonjour! On a envie cette semaine de faire une bibliothèque à partir de caisses de pommes. Alors voilà les caisses de pommes, hein, des caisses anciennes. Il faut déjà que ce soit des caisses un petit peu costaudes, hein, parce que si c'est de la cagette, ça va pas. Et on va voir comment les modifier, les transformer, les décorer pour en faire une petite bibliothèque. Première étape, on va faire un premier passage au pistolet à peinture avec cette peinture toujours bio, bien sûr, préparée avec du pigment et de la peinture naturelle. Notre choix sur ces caisses pour les transformer un peu, c'est de passer deux couches de peinture. Une première couche de peinture grise, une fois que ça sera sec, une couche blanche. On poncera pour donner un aspect vieilli. Voilà donc l'aspect qu'on va obtenir et on va avoir besoin de faire une dizaine de caisses pour faire notre bibliothèque. On va faire donc la deuxième couche, on a laissé sécher, hein, et on va faire donc la deuxième couche de blanc qu'on laissera sécher aussi et après on poncera pour obtenir un effet vieilli. De notre préparation de caisse, on a fait nos deux couches, une couche de gris, une couche de blanc. On voit déjà que de manière naturelle, on sent un peu le gris puisqu'on n'a pas passé une couche de blanc très épaisse. Mais pour avoir un aspect plus ancien, plus usé, on va poncer de manière inégale pour faire ressortir un peu parfois le bois, un peu la veine. Alors, essai à la ponceuse vibrante et à mon goût, ça arrache un peu vite la couleur. Donc, on va le faire à la main pour faire ressortir exactement où on veut pour qu'on ait quelque chose d'inégal. Parce que sinon, à la ponceuse vibrante, on va tout arracher et on n'aura plus rien. Ça va plus correspondre à ce qu'on veut. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est de voir les trois étapes. Donc, le bois brut. Le bois, une fois qu'il est peint avec les deux couches, et puis l'aspect vieilli, une fois qu'on a passé, donc, comme on veut, le décapage. Dernière étape de la préparation de nos caisses, on va faire des petits pochoirs pour agrémenter un petit peu la caisse. Alors, mettez-vous sur une plaque dure, métal ouvert, cutter. Vous imprimez la police de caractère qui vous convient et après vous découpez en suivant donc le contour au cutter. Alors un papier un peu épais, c'est quand même mieux pour que c'est de la tenue quand vous allez faire votre pochoir. Après avoir découpé mon pochoir, donc je vais le positionner à l'endroit où je veux faire donc mon motif. J'ai conservé le petit centre du R que je vais coller. Et ensuite, on va tapoter avec le pinceau enduit de peinture pour faire le texte en noir. Une fois positionné, donc je vais avec mon pinceau délicatement, sans mettre trop de peinture dessus pour pas que ça bave dessous. Une fois toutes les lettres faites, j'enlève. Et puis ensuite, il ne me reste plus qu'à décoller le centre du R que j'ai collé précédemment. Et voilà donc mon pochoir. Bon, et ben, sur la prochaine vidéo, il ne nous restera plus qu'à voir comment on monte cette fameuse bibliothèque avec ces caisses qu'on a préparées. À bientôt!